Salut les otaks, salut les gamers. Salut. Alors, on espère que vous allez bien. Ouais. Aujourd'hui, on vous propose de faire une petite découverte de jouets. Des jouets. Ouais, ouais. On va faire des jouets. Donc Maxime est juste en face de moi et il m'a dit tiens, on n'a jamais fait ça ensemble comme vidéo. Donc je lui ai dit ouais, c'est vrai, on va ouvrir ça. Donc ça, c'est une petite enveloppe à bulles. Donc je l'ai pré-ouverte juste avant de faire la vidéo pour vous éviter le supplice du cutter qui coupe pas ou les ciseaux qui ne coupent pas. Et on va se faire... Tadam ! Alors, qu'est-ce que c'est, Max, d'après toi ? C'est pas très compliqué, hein. Là, on a un set complet et ce sont des... Lego. Alors, ce sont pas vraiment des Lego, ce sont des mini-figurines compatibles Lego. Attention, hein, c'est pas du Lego officiel. Et en fait, c'est une série... alors, j'avais vu, en fait, un post sur Twitter de Toy Kitsch que je salue, au passage, et qui avait, en fait, mis une photo de futur Kamen Rider sur sa page Twitter. Mais il y avait également un Voltron. Et le Voltron qu'il avait relégué m'avait dit « Ah, mais c'est vrai, j'avais aussi un set de Voltron. Voltron est là. » Mais c'est le premier set, en fait, de celui qu'il avait relayé, Toy Kitsch, est en fait une nouvelle version de Voltron. Donc là, je vous propose de voir ensemble la série de toutes les figurines, mini-figurines, pardon, de Voltron. Donc on va vous ouvrir ça tous ensemble. Donc Max, tu peux y aller. On ouvre ça. Allez, c'est parti. Oh,
tatsu no michi wo yuku Gonin de hitotsu no michi wo yuku Gonin de hitotsu no michi wo yuku Gonin de hitotsu no michi wo yuku. Et voilà Max, donc on a tout monté rapidement. Donc on a toutes les petites mini figurines. Donc c'est assez marrant parce qu'en fait niveau peinture, je trouve que elles sont plutôt très très bien réussies. Celle-ci elle a une petite trace mais c'est pas bien grave, il suffit de la nettoyer. Les bras n'étaient pas forcément évidents à clipser, hein, Max. Ouais. Par contre, je trouve que le fait qu'ils aient rajouté une petite peinture par-dessus fait que là, les bras sont vraiment difficiles à articuler, mais c'est pas bien grave. En revanche, pour ce qui est des jambes, alors là, c'est beaucoup plus simple, limite trop simple, hein. Je sais pas si t'as remarqué ça. Mm-hmm. Les jambes, elles sont plutôt faciles à orienter par rapport à des Lego, on va dire, classiques. Pour ce qui est de la visière, bon bah ça fonctionne super bien, hein. Là, voilà, on peut ouvrir la visière. Alors moi, j'ai beaucoup aimé le petit gun. Parce que quand vous appuyez en fait sur la partie supérieure, hop là, ça éjecte en fait la petite pièce de Lego bleue transparente. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Donc on a des couleurs qui sont finalement assez correctes. On verra Voltron à la fin. Mais je trouve que le jaune est plutôt chouette. Le vert est bien aussi. Alors sont tous au même design, hein, puisque bon, vous savez comment ça se constitue, hein, Voltron. Vous avez un bras vert, un bras jaune, je crois, un pied. Enfin, vous avez 5 membres et le corps est au milieu, c'est le rouge. Donc ça doit être un truc comme ça. Je me souviens plus très bien quelle est la répartition des couleurs dans le robot final de Voltron. Mais en tout cas, ça rend super bien. Ce qui est aussi assez cool, c'est que ils ont changé en fait à chaque fois vous avez un visage différent. Vous voyez, là on a le rose qui est une femme et qui sourit, là le bleu un petit sourire en coin. Alors je me souviens absolument pas des personnalités des traits de caractère de chaque personnage. Là on a le jaune qui est un petit peu comment dire, pas soucieux, mais il fronce un peu les sourcils, là vous voyez, très sérieux. Le rouge, bon bah toujours souriant, c'est un peu force rouge on va dire, le leader de l'équipe. Et le vert au hasard, ça va être l'ingénieur un peu geek sur les bords parce qu'il a des lunettes, hein, le stéréotype par excellence. Mais bon, ça ne m'étonnerait pas que ce soit comme ça dans la série, je ne me souviens absolument pas. Donc voilà un petit peu pour ces 5 là. Donc on va les mettre comme ceci, voilà, très classique, hein, je crois que c'est même comme ça que ça se met. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si c'était l'ordre ou quel était le pied gauche, le pied droit, enfin dites-moi les couleurs. Et là en fait on a le Voltron, le petit Voltron. Donc ça c'est l'ancienne version, je sais qu'il y a une nouvelle version qui est prévue avec une sorte de casque supplémentaire beaucoup plus badass pour faire la tête de fauve félin. Et bah, sur cette version là ils lui ont rajouté en fait des épées de ninja. Alors bon, on n'est pas obligé de les mettre, moi je les ai laissées comme ça pour voir un petit peu ce que ça allait donner, pour qu'on puisse vous montrer pour la vidéo. Et je trouve que bah, la peinture est pas trop trop dégueulasse, même si sur les arêtes, vous voyez, ça c'est pas aussi précis, tu vois Max, là c'est un petit peu usé même sur ce côté là mais ça va, ça fait le job. Honnêtement, ça fait le job et je trouve ça assez fun d'avoir un petit Voltron façon Lego comme ceci. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo de mini figurines compatibles Lego vous aura plu. En tout cas, Voltron, c'est vraiment pas commun. Je crois que c'était même pas sorti en Kubrick au Japon. Et à part les Shogokin, bah, j'avais pas vu beaucoup d'adaptations. Donc je m'étais dit, c'était l'occasion de voir finalement ce que Voltron donnerait. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de commentaires, de pouces bleus. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous si vous en avez envie. J'ai shooté dans Force Rose. Tout va bien, elle se relève. Allez, on vous dit à très bientôt. Ciao tout le monde. Ah
Et si vous connaissez les noms hein, des personnages, dites-nous, parce qu'on a eu la grosse, grosse flemme de regarder ça sur Wikipédia et Google. Allez, à plus les amis. Salut.